Ça y est, donc nous y sommes, en ce jour spécial de lancement de la Startup Act Djibouti. On y attendait, on s'attendait, c'est un événement sans précédent. Et nous remercions le ministère de l'économie numérique, Samatar Abdi, CTID, structure d'accompagnement pionnière de l'écosystème, d'apporter notre pierre à l'édifice en formant les jeunes djiboutiens dans les métiers du futur, à travers la robotique, à travers l'entrepreneuriat innovant, à travers aussi l'économie sociale et solidaire. En tant que structure d'accompagnement pionnière de l'écosystème de Djibouti, c'est un plaisir incommensurable d'être là ici, à ce jour, aux côtés de tous les autres acteurs, innovateurs, start-upers, investisseurs, tout l'écosystème, tous les talents réunis ici aujourd'hui pour lancer enfin ce document itératif qui nous servira de socle de départ d'un écosystème prospère à tout un chacun pour essayer de arrimer Djibouti dans les autres pays, à l'instar de tous les pays africains, la Tunisie, j'en passe, qui ont pu faire cet exercice et qui ont démontré qu'un écosystème vibrant avec un Startup Act, les jalons sont posés, les briques sont là et il ne manque plus que maintenant de lancer la fusée. Et je pense que tout est réuni à partir de ce jour de pouvoir lancer définitivement et arrimer, comme je disais tout à l'heure, la République de Djibouti dans le concert des nations les plus innovantes. Le nouveau chapitre de Djibouti puisse commencer pour une Djibouti smart avec des smart citizens. C'est important. Merci.